Amis Célestes, Léo Messi. C'est un peu court, la frappe. Avec Léo Messi, aux abords de la surface de réparation, Marcos Acuña. Oui, il réclamait quelque chose une nouvelle fois, le capitaine de l'Argentine dans sa grande discussion. Les plus grands gabarits, hein, Messi, Agüero. Ah oui, bon ballon. Paredes avec Lautaro Martinez. Lautaro Martinez! Oh, quelle opportunité énorme alors qu'il venait de crier la politesse à Luis Pablo. Quand même sur les épaules, hein, d'André Di Maria, compte tenu de l'activité de Lautaro Martinez sur un peu plus d'une heure de jeu ici face au Venezuela. Il va falloir qu'il se bouge, le numéro 11 des Bleus et Blancs, au moment où Darwin Machis accélère dans son duel avec Juan Foyt, qui s'impose avec autorité. Bah, c'est pas la première fois où on pense qu'il est pris par l'accélération, et il arrive encore, il a les jambes encore pour revenir. L'entrée dans quelques instants de Joseph Martinez, l'autre attaquant de pointe. Alors c'est le suppléant de José Rondon. On va voir s'il décide de prendre un maximum de risques en attendant le très bon ballon dans la profondeur. Ballon récupéré. Oh, quelle parade de la part de Franco Armani. Quelle parade. Ça a été par Rodrigo De Paul. Oh, bien joué. Intelligent avec Kun Agüero. L'appel, la frappe de Kun Agüero. Ballon relâché. Signé Giovanni Lo Celso qui profite d'une faute de main de Wilker Farinez. Le malheureux gardien vénézuélien, l'Argentine s'envole vers le demi-finale de la Copa América. De la Copa América de l'Argentine, voilà qui est fait. Léo Messi et ses partenaires s'imposent sans souffrir. 2-0 face à une équipe du Venezuela, décidément et malheureusement pour elle, sans idée sur le plan offensif. De but argentin signé Lautaro Martinez à la 10e minute et Giovanni Lo Celso à la 74e minute. La demi-finale de rêve est là, et bien là, le 2 juillet prochain, le Brésil affrontera donc l'Argentine en